bachelet entier. Tu ne me dis rien. Jambon. Cochon, voilà ce que je te dis. C'est ça. Fâche-toi, engueule-moi, brutalise-moi. Ouf. Je vais servir. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu t'es fait mal. Va te faire soigner par l'infirmière du troisième. Mais tu vas continuer longtemps comme ça? Ne crie pas, idiot, Fiorella est là. Cette tartine de caviar, une bouteille de whisky. Ah. Bonjour, Fiorella. Regarde un peu ici, toi. Il y a 27 fournitures diverses. Un poulet entier et la bouteille. Léonida veut 5 000 lire. Il rêve, Léonida. Bien heureux si j'en retire 3 000 lire. C'est pas tellement facile à placer, hein. Surtout depuis que je leur ai apporté des tartines de caviar qui étaient faites avec des plans de chasse. C'était pas notre faute, c'était une blague du comte Ercolani. Fiorella, combien de fois t'ai-je répété de ne pas circuler en chemise de nuit dans l'appartement? Fiorella, tu m'entends? Oui, maman. Alors tâche de ne pas l'oublier, notamment quand il y a des étrangers. Excuse-moi, maman, mais quand je me suis levée, il n'y avait personne. Bonjour tout le monde, là, les journaux. Bonjour, madame Valéria, voilà deux journaux. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Eh ben, c'est madame Mathilde qui les a commandés hier soir. Dernière nouvelle, un jeune porteur de journaux tente sa chance avec une belle dame. Oh! Et se prend une baffe comme d'habitude. Dernière nouvelle. Mathilde, les journaux sont là. Oui, j'arrive. Papa n'est pas levé? Qu'est-ce que j'en sais? Cette nuit, je ne l'ai même pas entendu rentrer. Il n'a pas de travail ce matin? Va lui demander. C'est vrai que papa vous fait tous un peu enragé, mais il faut l'excuser. C'est un artiste, alors? Alors, il faut le comprendre. Et moi, je ne le comprends pas, parce que je suis une idiote. On connaît la chanson. Où sont les journaux? Ah, bonjour, tante. Alors, cette générale, ça serait... Très bien. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Le théâtre était bourré et le public très élégant. Et pour toi, comment ça a marché? Ah, pas mal. Surtout après le deuxième acte. La critique est bonne. Ça va faire un succès, là. Hier soir, après le théâtre, tu es passé voir Roberto? Ah bah non, alors j'y ai même pas pensé. Ah, il faudra quelqu'un y aille. Voilà 3 jours et 3 nuits qu'il danse. Oh, s'il est assez imbécile pour participer à un marathon de la danse, tant pis pour lui. Si jamais papa l'apprend, il va faire une roule de musique. Hein. Papa fera bien de se taire. Son fils cherche à gagner de l'argent, c'est tout. Un drame profondément humain où l'hallucinante richesse intérieure des personnages crée une atmosphère qui prend le public dès les premières répliques. Oh, est-ce que ça doit être beau? Oui. Dis, tante, tu pourras me faire entrer un soir? On verra. Je demanderai au directeur. C'est ça. Comme si elle n'avait pas assez de folie dans la tête. Je ne fais rien de mal quand je rêve d'un monde un peu différent de celui dans lequel je dois vivre. Papa dit que le plaisir d'attendre est une oasis dans le désert de la vie. Ah, c'est qu'ici nous sommes tous des artistes. Ici, tout le monde attend. Ton père attend que le monde entier reconnaisse son génie. Pendant ce temps-là, il dort. Ton frère attend le soleil de la vie. Toi, tu attends le prince charmant. Et toi? Moi, j'attends encore un tout petit peu et fruit, vous allez voir comment je vous plaque tous. Hein. Voilà le papier. Oh, merci, Malouto. Il y a 2 douzaines de rouleaux, ça ira pour la semaine. Pourquoi tu te livres ça ici? Ben, il y a toujours quelques rouleaux qui disparaissent, alors avec les pourboires qu'on me donne, hein, je fasse attention à tout. Alors, les 2 douzaines, ça ira? Oui, bien, mais si la critique est très bonne, apporte-moi encore quelques rouleaux. Hein. Entendu, madame Zine. À tout de suite. Eh ben, faut que j'aille m'habiller, hein. J'ai du nettoyage à faire ce matin, il doit être tard. Fiorella, tu peux me dire l'heure qu'il est, s'il te plaît? Oui, tante. Pas la peine. Monsieur ton papa l'a porté au monde qui était. Ah ben, de mieux en mieux, on n'a même plus l'heure dans cette maison. Ah, la plus idiote, c'est bien moi quand je pense que je reste avec vous alors que je suis la seule à avoir une vraie situation. Ainsi, par là, madame Pipi. Ah, tu peux te foutre de moi, n'empêche que les seuls revenus réguliers de cette famille, c'est moi qui les gagne. Femme, je suis réveillée. Oh, réjouissez-vous, bonnes gens, voilà le Père Noël. Moi, Léonida Papagato, vive comme un lézard et frais comme une rose, je salue l'aurore de ce jour béni qui me trouve prêt comme tous les jours à m'attaquer aux tâches les plus ardues. Sainte femme, est-ce que le petit déjeuner est prêt? Bonjour, papa. Bonjour, délicate petite fleur éclose dans cette modeste demeure. Femme, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. En ronflant. En ronflant, je me livre à des méditations profondes. Honneur à l'homme doué d'un esprit supérieur qui sait quand même vivre dans l'obscurité. Continue à ne pas payer l'électricité et tu verras comment on y vivra dans l'obscurité. Tais-toi, petite bourgeoise. Prépare le petit déjeuner. Ce matin même, vous allez voir comment les éclairs de cet esprit supérieur peuvent illuminer la grisaille de vos existences. Comment va la peinture? Bien, papa. Hier, j'ai colorié 400 cartes postales. Ça fait combien? 800 lire. Bravo. Mets-les de côté et ne les donne à personne. Sois tranquille, papa, je ne les ai pas encore touchées. Tant pis. J'avais justement besoin de 500 lire. Patience. Et Roberto, où est-il? Il danse. Hein. Mais voilà 3 jours que je ne le vois pas. C'est qu'il danse depuis 3 jours. Et 3 nuits. Participe à un marathon de la danse.
Noble occupation pour le fils aîné de Leonida Papagato. Faut-il en conclure qu'il est devenu bête comme ses pieds? C'est plutôt qu'il a l'estomac dans les talons. Infirmité passagère qui d'habitude ne prédispose pas la danse. Si, il devrait le buffet. Que disaient les journaux sur ta nouvelle pièce? C'est un triomphe. Gasman enthousiasmait tout le monde. Jugement excessif comme d'habitude. Non, c'est sans doute vrai. Quand on jouait, personne n'est venu chez moi. Ah, alors? Bon, allez, je vais habiller. Ouais. Qu'est-ce que je mange avec le café? Des dragées. Pour remplacer le sucre, c'est parfait, mais pour manger? Tu as les amandes à l'intérieur. Mais hier, j'ai apporté plus de 3 kilos de nourriture. Il n'y a plus rien? J'ai tout donné à Antonio pour qu'il les vende. Je ne peux rien acheter sans argent. Tu aurais pu donner les dragées et garder quelques sandwichs. Les dragées, personne n'en veut. Et moi, il faut que je les trempe dans mon café. Et nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise? Voilà des mois que nous ne mangeons que des tartines de caviar, de foie gras, des beignets, du vol au vent. C'est l'aptitude au sacrifice qui fait l'honneur d'une famille. Garde tes beaux discours au vestiaire. S'il n'y avait pas Antonio pour placer la marchandise, ton boulot ne rapporterait pas un rond. Cet Antonio m'a suffisamment cassé les pieds. Et je ne te permets pas de me comparer à ce petit vaurien. En outre, sa façon de rôder continuellement par ici ne me plaît pas. Quelle heure est-il? Tu as placé le réveil au Mont-Piété? Tu veux encore savoir l'heure qu'il est? Ah oui, c'est vrai. Ignore le temps, dit le philosophe, et tu seras toujours jeune. Femme, je vais m'habiller. J'ai l'impression de revivre tout le drame d'hier soir, exactement pareil. Pourquoi, tante? Parce que je me trouve dans la même situation que la comtesse Mira au deuxième acte. Quand on lui vole ses bijoux, pour l'empêcher d'aller retrouver le baron Goffredo. Oh, tu as volé tes bijoux? Non, mes chaussures neuves. Qui a pris mes chaussures neuves? Demande à Leonida. Ah bon? Leonida, il a pris mes chaussures. Bah, les siennes, c'est Roberto qui les a mises. Ah non, lui, il a mis les miennes. Il les a données à madame Arduino en échange d'une paire de son mari. Ah, bah, c'est un con, là. Ma patience a des limites. En un mois, il a vendu ma valise pour s'acheter des décorations bulgares. Il a démoli tout mon soutien-gorge en transportant des pastèques. Et maintenant, il vend mes chaussures neuves. Alors, assez, j'en ai assez. Tu sais bien que papa fait tout ça pour son travail. Non. Valéria, ça va mal, là. Le marché est en baisse. Ce qui veut dire? Bah, ce qui veut dire que la langoustine de Capri, les tartines et le poulet n'intéressent pas Poldo. Et que même s'il prend tout, il en donnera seulement 3400 lire. 3400 lire? Quelle grippe sous! Ah ben, j'y peux rien, moi. Hein. C'est à prendre ou à laisser. Oh, je m'y attendais. Maintenant, j'aimerais savoir comment on peut faire dans une famille où la seule chose qui ne manque jamais, c'est la misère. Et moi alors? On m'a volé mes chaussures, je suis obligée de sortir en savate. Oh. Et moi, qui ne peux pas sortir parce que je n'ai pas la moitié d'une robe, et même si je l'avais, l'autre, là-bas, je n'aurais pas la chemise pour m'emmener au cinéma. Oh, bah, s'il y a que ça, moi, je peux vous y emmener. Ah, vous, taisez-vous, cochon. Madame Assénère. Gardez vos invitations pour les vieilles guenons que vous fréquentez. Eh, je vous insulte pas, moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pressée. Mais attendez! Leonida! Je vous ai prié 1000 fois de ne pas hurler. Qu'y a-t-il? Antonio dit que pour tout ça, il ne peut en avoir que 3400 livres. Combien? 3400 livres. Sans nous attarder sur le fait que vous m'inspirez une vive antipathie. Et si je m'aperçois que vous jetez seulement un coup d'œil sur ma fille, je vous casse la figure. Sans nous attarder donc, mettons-nous bien d'accord et prenez bien note de ceci. Plutôt que d'aller vendre cette marchandise pour 3400 livres, je préfère la flanquer par la fenêtre. Eh ben, comme vous voudrez, monsieur Leonida. Vous êtes allé cette saison? Ils ont encore vos bécasses de la semaine dernière. Monsieur Persavatore. Ah ben, on l'a arrêté hier. Cher collègue. Mais il est à l'hôpital, sa femme l'a assommé. Quelle clientèle? Chez Poldo. Eh ben justement, c'est lui qu'on propose 3400 livres. Regardez-moi dans les yeux. Combien mettez-vous dans vos poches? Oh ben rien du tout. Ah oh, mais moi si je fais ça, c'est par affection pour la famille. Dans le cas où vous me feriez l'honneur d'un petit pourboire. Nous sommes en face d'un cas psychanalytique du plus grand intérêt. Vous êtes un imbécile et votre subconscient est peut-être moins imbécile que vous. Et me voyant porter cet habit, il en conclut qu'évidemment je suis soit un grand seigneur, soit un imbécile plus imbécile que vous. Ce qui démontre que votre subconscient, que j'avais cru moins imbécile que vous, l'est encore davantage, étant donné que je ne suis ni grand seigneur ni imbécile. Je me suis fait comprendre. Ah, monsieur Leonida, vous aurez beau m'accabler de compliments, c'est toujours 3400 livres. Décidément, vous tenez à m'insulter. Ah, lui, voilà une demi-heure que tu le traites d'imbécile. Le mot imbécile n'est pas une insulte à son égard, puisqu'il est vraiment un imbécile. Et vous, vous tenez à m'insulter, car le simple énoncé d'un prix aussi ridicule pour une marchandise pareille signifie clairement qu'à votre avis, je l'ai volé. Eh, monsieur Leonida, parlons pas de ça. Hein. Parlons-en. Bien au contraire, moi, ces choses-là, je les gagne à la sueur de mon front. Elles représentent la prime fortuitement accordée à ma profession d'invité. Profession, ouais. Parfaitement. Profession. Parce que pour arriver à se placer dans un cortège nuptial parmi des gens que l'on ne connaît pas, pour faire croire aux invités du marié qu'on est un invité de sa jeune épouse, et inversement, pour sympathiser avec les parents, et en même temps réussir à remplir de victuailles diverses des poches intérieures
spécialement adapté à cet effet. Il faut être un vrai professionnel. Quand j'ai l'honneur de ne pas être invité à des cérémonies officielles, je dois m'entretenir d'égal à égal avec toutes sortes de personnalités du monde de l'art, de la politique et de la science. Et n'allez pas croire qu'il est facile de parler de l'influence du Moyen-Orient sur la politique américaine tout en introduisant dans ses poches une demi-douzaine tartines de caviar. Et ça, vous n'appelez pas ça voler? Voler qui? Bah, ceux qui vous reçoivent. Non, monsieur. Car ils ont mis précisément ces boissons et ces nourritures à la disposition des personnes présentes. Moi je sais bien qu'un invité qui en profite pour emporter des choses, il n'a pas bonne mine. Un invité, oui. Mais moi non, puisque personne ne m'a invité. Donc celui qui est malhonnête, c'est cette espèce de chacal qui m'offre 3400 lire pour deux séances de travail nettement accomplies. Un mariage et un baptême. Sans compter les frais généraux. Frais généraux. La location de mon habit, c'est vous qui l'a payé. Ses décorations. Le gouvernement ne me les donne pas. Il faut que je les achète. En vendant mon réveil. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait partie de l'organisation économique de ma politique intérieure. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Apportez-moi 3400 livres. Eh ben, comme vous voudrez, monsieur Leonida. Bon, je vais au boulot. Fiorella, Mega et Macan, s'il te plaît. T'es gant blanc, papa? Naturellement. Je vais au mariage, je redécone les pionnières. Je reviendrai ici avant 11h. Vous savez l'heure qu'il est? D'ici qu'ils sont 11h, vous n'aurez même pas le temps d'enfiler vos gants. Comment? Déjà 11h? Mais le mariage est à 10h. Quand tu me regardes comme ça, c'est pas moi qui ai mis le réveil au clou, hein? Ben, c'était un mariage de moins de 3 kilos! Enfin, patience. Les dieux sans doute ont voulu m'épargner des occupations qui m'auraient dérangé en cette journée fatidique. Vous l'entendez? Aujourd'hui est une journée fatidique, les dieux l'ont épargnée. T'es quoi, petite bourgeoise? Bon, allez, j'y vais! Antonio, il me plaît pas non plus, hein? Je trouve qu'il te prend trop de liberté. Avec qui? Avec tout le monde, puis avec toi aussi. Hey. Regarde comment il se comporte avec l'infirmière du troisième. C'est elle qui est une coureuse. Antonio par-ci, Antonio par-là, tout bout de champ l'appelle chez elle. En tout cas, il profite bien d'elle, il lui a déjà vendu la moitié de ses meubles. Ça lui fait les pieds à cette vieille rombière. Pourquoi vieille rombière? Quel âge elle a? À peu près le même que toi. Ouais, bonjour la compagnie. Voilà le grand-père. Le grand-père de qui? J'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? Vous dites voilà le grand-père, vous savez pas de qui il est le grand-père. Mais comment voulez-vous que je sache, madame Mathune? Monsieur Leonida me l'a commandé hier soir. Oh, il nous manquait plus qu'un grand-père maintenant. Leonida! Bonjour, Velucto. C'est quoi cette histoire de grand-père? Femme, ne vous agitez pas. La chose fait partie d'un plan parfaitement conçu. Ah ouais. Salut, monsieur Leonida. J'espère que ça vous convient. C'est celui-là? Comme vous le voyez, grand-père Simeone, adjudant en retraite. Enchanté, mon adjudant. 94 ans, alors diabétique, arthritique, artériosclérosée et complètement cateux. Parfait. Les marchands, c'est comme les homards. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces manigances, ça? C'est vrai, on n'a pas beaucoup de bouche à nourrir dans cette famille, une de plus, une de moins. Vous serez bien aimable de parler seulement quand je vous en ferai signe, d'accord? Tu chantes toujours comme ça? Non. Vous lui mettez une boule de gomme dans la bouche et il chante plus. Vous êtes satisfait de mes services? À peu près. À vrai dire, je l'aurais mis un peu plus squelettique, un peu plus cadavérique. Mais comment ça, monsieur Leonida? Diabète, artériosclérose, arthritisme, il pourrait même crever chez vous tout de suite, ça se verrait pas. Ce serait l'idéal, mais je n'en espère pas tant. Bon, ça vous va ou ça vous va pas? Ça me va. À part cette coiffure militaire qui ne me plaît pas. Ben justement, c'est ce qui lui donne un genre. Possible, mais j'ai horreur d'exploiter le sentiment patriotique. Enlevez-le. Ah non, faites pas ça, vous allez le faire pleurer. Regardez. Comme ça? Même avec la boule de gomme? Ah mais il chante pas mais il pleure! Et ça la boule de gomme? Il chante et il pleure! Bon, ça va, je le prends. Combien me le faites-vous? Mon Dieu, il est devenu fou, il va acheter un grand-père maintenant. Moi, je m'en fais. Non, tu restes ici. Tu gardes le grand-père. Et au besoin, l'arrière-grand-père et même le trisaïeul si c'est nécessaire. Je te demande pardon, papa, mais est-ce que tu crois qu'on a bien l'appartement qu'il faut pour y mettre un aussi vieux monsieur? Non, Fiorella, le grand-père ne va pas demeurer ici. Je l'ai seulement loué pour 4 heures. Comment ça, louer? Oui, en location. Oui? Oui, en location. C'est clair? Alors, Félouton, c'est combien? Ouais, c'est 300 lire de l'heure. Donc, pour 4 heures, ça fait... disons 1000 lire. 1000 lire? Oh. Peste, mais c'est qui? La Joconde? Ouais, monsieur Leonida, il y a le transport, les boules de gomme, etc. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous préférez? Paiement en comptant samedi ou des trajets tout de suite? Au comptant tout de suite. Je regrette, mais aujourd'hui, je n'ai pas de liquide. Ah bon, ben, c'est pas grave. Moi, je pourrais bien un petit coup en attendant. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas de liquide. Ah, bon, ben, je repasserai une autre fois. Mais je vous le recommande, hein. Vous avez vu la qualité de l'article? C'est du fragile! Vas-tu nous expliquer maintenant l'opération géniale que tu prépares? Super géniale et productrice de gros bénéfices. Écoutez-moi bien, j'ai besoin de votre collaboration. Pour gagner 4 sous? Il s'agit d'au moins 20 ou 30
20 ou 30 000. 30 000 sous ? 30 000 lire. 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 Ah. Et j'ai donné ce chiffre, mesdames, à titre purement indicatif. Hier, j'ai eu l'honneur d'échanger d'aimables propos avec quelques membres d'une illustre famille. Devant le buffet où chacun formulait des vœux de bonheur, j'ai voulu moi aussi présenter mes félicitations. Et j'ai prononcé un remarquable discours qui s'achevait par ces mots. Oh, la jolie vie que l'on mène. Et grand-père, du calme. Oh, il a fini sa boule de gomme. On y boit, on y mange, on y crème. Chez les marcheurs, chez les marcheurs. Oh, la jolie vie que l'on mène. D'habitude, quand on introduit un jeton dans la fente, c'est pour faire jouer la musique. Lui, c'est le contraire. Ce qui prouve que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Où étais-je ? À ton discours. Ah oui, par ces mots. N'oublions pas, mesdames et messieurs, qu'on peut connaître en ce monde la plus pure des joies humaines en projetant généreusement sur autrui une large part de ce bonheur. C'est pourquoi, pour fêter l'heureux événement, je propose d'en perpétuer le souvenir par la fondation d'un comité de bienfaisance qui soulagera la misère de ceux qui souffrent. Ça, c'est une vraie trouvaille. Et vous avez fondé le comité ? Oui, madame. Et qui en fait partie ? Naturellement, puisque j'en suis le membre fondateur. Ils ont fait une belle acquisition ! Ils ont pris Rockefeller ! Ne ris pas comme ça ! Le nom de Rockefeller est aussi respectable que le mien. Enfin, Léonida, ta misère à toi ne te suffit pas. Faut aussi que tu t'occupes de celle des autres. Le don le plus sublime est le don de celui qui possède le moins. Et tu as donné quoi, toi ? L'idée. L'idée de fonder le comité de bienfaisance. De plus, j'ai signalé immédiatement le cas d'une malheureuse famille ravagée par l'indigence et la misère. Bravo, et qui c'est cette famille ? La mienne. La tienne ? Mais la vôtre, la nôtre, enfin nous. Oui, pourquoi vous faites cette tête-là ? Mon Dieu, quelle tuile on va recevoir ! Mais papa, est-ce que tu pouvais faire ça ? Et pourquoi pas ? Je n'ai fait que mon devoir. Pour une fois ? Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est une idée géniale. Et quand le comité sera là, tout marchera à la perfection. Le comité vient ici. Nous devons constater de nos propres yeux les misérables conditions dans lesquelles vous végétez. Oh. Et cette visite, nous ayant fendu le cœur, nous ferons le nécessaire pour éclairer d'un sourire de gratitude vos traits émaciés sur vos visages défaits. Défaits toi-même, hein? Moi, j'ai le visage fait et bien fait. Ce qui n'empêche que tu dois l'avoir défait et émacié, car dans un instant, le comité sera là. Mais papa, est-ce qu'il te rencontre ici ? Il doit me trouver ici. Je suis le membre fondateur, arrivé un peu en avance. Donc, femme, ne perdons pas de temps. Oui, et qu'est-ce qu'on doit faire ? Avoir des traits émaciés sur des visages défaits, prendre un air triste et pitoyable, supprimer tout signe extérieur de richesse. Mathilde, oui. Occupe-toi du lit. Enlève le couvre-lit. Nous, on va changer la table de place. Et vous changerez la nappe. Pas de facile avec grand-père. Maintenant, une fois malade, Mathilde, mets-toi au lit. Non, moi, j'ai le nettoyage à faire au théâtre ce matin. Le théâtre, aujourd'hui, c'est ici. Ah ben, c'est un con, moi, si tu es la seule à avoir une situation bien... Bien assise, eh bien, ce matin, tu auras une situation bien couchée. Ferme-la et colle-toi au lit. Il n'y en a que pour une demi-heure. Oh ! Valérie, toi, assieds-toi à la table. La tête entre les mains, l'œil noyé par l'angoisse. Comme ça ? Plus noyé. Plus noyé ? Oui, plus noyé, les deux yeux, engloutis sous les larmes. Tu as trop bonne mine. J'ai dit émacié. Efface ton maquillage et décoiffe-toi un peu. Fiorella, passe un peu de talc sur la figure de ta tante. Elle n'a pas l'air assez moribonde. Maintenant, grand-père, où est-ce que je le mets, ce vieux débris ? Par là ? Non. Près du lit. Près du lit. Oui. Oh, c'est mieux. Fille moribonde, père paralytique, femme angoissée. L'ensemble est parfait. De Jésus, les voilà déjà. Ah, quelle vacherie se réveille qui te cloue. Allez, tout le monde en place, pas un mot, il n'y a que moi qui parle. Hein. Si on vous demande quelque chose, pleurez. Et moi, papa, qu'est-ce que je dois faire ? Va dans ma chambre et n'en sors pas jusqu'à ce que je t'appelle. Allez, en place. Entrez. Oh, pardon, je me suis trompé d'étage. Idiot, pose ton papier là et fiche le camp vite. Mais madame Valéria, qu'est-ce qui vous arrive ? Rien, t'occupe pas. Il y a quelqu'un qui est malade, eh. Ça ne te regarde pas, les filles, mon garçon. Et voilà, en place. Permettez. Oh,
Oh, comtesse, entrez donc, je vous en prie. Cher ami. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous, comtesse? Vous nous avez précédé, colonel. De quelques minutes. J'éprouve déjà beaucoup de peine à voir les tristes conditions où vivent ces pauvres gens. Je vois que vous aussi, vous avez apporté un don personnel. Qu'est-ce que c'est? Une bagatelle. Une petite chose dont ces malheureux peuvent avoir besoin quelquefois. Fille moribonde, père paralytique, femme angoissée. Oh, quelle tristesse! La maladie dans la pauvreté, c'est terrible. Voyez que j'ai bien fait d'apporter autre chose que de la nourriture ou des vêtements. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez apporté? Des médicaments vitaminés. Ah, excellente idée. Au lieu de nourriture... Ce sera très utile pour eux. Certainement, oui, je pense bien. Ils seront certainement très très contents. Alors, pauvre femme, cette malheureuse, qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de les questionner. Donne sa demande, dit le bon samaritain. Il faudrait pourtant savoir quelle maladie elle a si nous voulons l'aider. C'est pour son bien. Que ressentez-vous? Je crains qu'il soit mauvais pour elle d'essayer de la faire parler. Oh, mais mon Dieu, mais tout le monde meurt ici. Pardonnez-moi, baron. Vous leur apportez seulement des médicaments et vous voudriez encore les entendre rire. Dites-moi, vous êtes marié? Oui. Oh, ne pleurez pas comme ça, voyons. Nous sommes là pour vous aider. Est-ce qu'il travaille, votre mari? S'il travaille, c'est un feignant, une brute. Et quand il a bu, il bat sa femme. Oh, c'est un vieux soldat. Il a été victime d'un ébranlement nerveux en combattant sur le front russe pendant la dernière guerre. Mais il a au moins 94 ans. Parce que c'est une épave. Mais cet homme que vous voyez n'a pas plus de 50 ans. L'ébranlement nerveux et la misère par-dessus, voilà l'explication de toute sa décrépitude, voyez-vous. Bon alors, qu'est-ce que nous faisons? Je propose que nous visitions le logement, afin de nous rendre compte dans quelles conditions d'hygiène vivent ces prolétaires. Nous ne sommes pas indiscrets, n'est-ce pas? Oh, les pauvres, ils ne sont pas gays. Voilà la chambre du grand-père. Oh! Mais c'est un débarras! Il n'y a pas de lit. Il est paralytique, il dort dans son fauteuil. Et de ce côté-ci? Ah, je ne sais pas. Allons voir. Si vous pensez que c'est nécessaire, je vous en prie. Je l'ai plein de cette comédie. On dirait le troisième acte de La Dame aux Camélias. Oh, encore un peu de patience, Mathilde. Oh. Le plus dur est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes pas bien, même Mathilde? Oh, il manquait plus que celui-là. Allez-vous-en, Antonio, ce n'est pas le moment. Qui c'est? Je vous ai dit que nous avons affaire, allez-vous-en! Sûrement qu'il y a une combine de Monsieur Léonida là-dessous, hein? Ça vous regarde pas, on a de la visite, partez! Léonida est avec du monde, allez-vous-en! Vous ne voulez pas de mes 3400 lire? Sûrement que ce monde-là vous en offre plus, hein? Parfaitement, si du moins vous ne flanquez pas tout par terre! Parce que maintenant, Monsieur Léonida, il vous amène des pigeons à domicile! Oh, tu n'es qu'un salaud! Non! Oh, vous avez vu, elle l'a frappé! Ça doit être le mari! Le mari est rentré, sa femme l'a frappé! Quel mari? Cet homme-là, n'est-ce pas le mari? Ah oui, 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 regardez dans quelle misérable situation vous avez jeté votre famille. Ma famille? Et alors, est-ce la mienne? Vous ferez mieux de vous en aller une bonne fois pour toutes, plutôt que de revenir toujours complètement sous et uniquement pour battre votre femme. Ah, à vrai dire, colonel, c'est elle qui l'a frappé. Vous dites que c'est lui qui la bat, là, c'est elle. Quand il est sous. Mais quand il n'est pas sous, c'est elle qui tape dessus. Allez, vous débarrassez le plancher. Attendez. Avec cette manière de procéder, vous envenimez un désaccord conjugal. Alors que notre tâche consiste non seulement à apporter une aide matérielle à cette famille, mais surtout la sérénité dans les cœurs. Noble conception, comtesse, mais qui ne peut concerner un pareil individu. Allez. Monsieur, je vous en prie, demandez pardon à votre femme. Moi, madame, vraiment? Je vous en prie, embrassez-vous et faites la paix. Comment? Embrassez-vous? Ce n'est pas le moment, comtesse. Il y a ici une personne en train d'agoniser. Ah, elle sera la première à se réjouir de monter au ciel en laissant sur la terre une parfaite harmonie dans sa famille. Allons, allons, un bon gros bébé. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Mais que diable! Tout ce que désire le colonel, c'est de vous voir réconcilier. N'est-ce pas, colonel? Parle. Vous permettez? Bon. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Alors... Ça suffit! Chers amis, il se fait tard. J'ai d'autres engagements qui m'empêchent de rester plus longtemps ici. Comme le temps passe vite quand on est occupé à faire le bien. Oui, mais le bien, nous ne l'avons pas encore fait.
des médicaments et des bonnes paroles, c'est tout. Voulez-vous que nous passions au véritable objet de notre visite? Certainement. Monsieur, si nous vous dérangeons, ma femme et moi, on peut aller dans notre chambre. Non, non. Ne bougez pas d'ici. Et ne jouez pas la comédie de la tendresse, car nous savons très bien que ce n'est que de la comédie. Alors, colonel, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la charité. Nous faisons le bien. Enfin, nous donnons de l'argent. Que proposez-vous? Moi, j'ai laissé 50 000 lire. Colonel, votre générosité personnelle me fait plaisir. Cela me paraît suffisant. Et ça nous permet de garder notre vol pour une autre famille. Je m'exprime mal. Je veux dire que j'ai laissé 50 000 lire chez moi, ce qui fait que je me trouve démuni d'argent liquide. Pour ma part, je ferai un chèque. Bien. Et alors? Voulez-vous que nous disions quelque chose comme 100 000? Comment? Oh, colonel, vous êtes très généreux, mais cela me paraît excessif. Disons 95 000. Oh, c'est trop! C'est trop. 94. C'est trop. C'est trop. Accorder une pareille somme d'un seul coup, cela peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Certes, mais nous ne pouvons pas faire la charité à crédit. Je pense que 50 000 lire dans une enveloppe seront très suffisants. Disons 60 000 et n'en parlons plus. Parfait, je suis d'accord. En ce cas, ça fera 20 000 chacun. Pour ma part, la situation est différente. J'ai amené les médicaments. Ma quote-part, ça sera simplement de 5 000 lire. Eh bien, on s'arrangera. Mon chèque personnel sera de 25 000 livres. Vous n'allez pas donner l'argent à cet ivrogne. L'argent liquide, je le garde puisque j'ai laissé le mien chez moi. Je vais faire un chèque de la somme totale au nom de cette jeune femme. Madame, quel est votre prénom? Valéria. Madame Valéria Papagatto. Maman! Nicoletto! Maman! Oh, maman! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, maman, je l'ai tué! Qu'est-ce que tu dis? J'ai tué Alexis! Oh, ma tante! Il est arrivé une chose terrible! Oh, mon Dieu, ça explique quoi? Mais c'est une fatalité, ma tante! Nicoletto, qui croyait que mon revolver n'était pas chargé, a tiré sur une porte dans laquelle se trouvait Alexis! Alexis est mort? Mais oui! Ah, oh, mon Dieu, on va l'arrêter, on va arrêter! Mais je sens mal, dans mon paquet, il y a du corps! Ah. Puis-je vous être utile? Merci, vous êtes très aimable. Malheureusement, c'est un coup du destin. Il faut tout de suite emmener Nicolas. C'est Alexis mort? Mais oui, il a reçu la balle en plein cœur. C'est épouvantable. C'est un parent? Mais non, c'est pas les champs. Ah bon? C'est triste. Ce genre de choses est toujours très triste. Excusez-moi, colonel, je voudrais savoir. Au fond, à gauche, moi, Alexis mort. Mon Dieu, Nicoletto! Oh, maman, on va m'arrêter maintenant! Allons, du calme, il faut d'abord le cacher! Oui, il faut le cacher! C'est ce que nous allons faire, ma tante. Maintenant, il faut nous en aller. Viens, Nicolas! Oui, il faut nous en aller tous. Nous sommes dans la maison d'autrui, il y a des malades ici. Oui, il faut le cacher. Mais où? Mais ce ne sera pas difficile, ma tante. C'est une question d'argent. L'endroit, nous le trouverons. Oui. Attendez un instant. Vous voulez cacher votre fils? Mais oui, maintenant! Alors, laissez-le ici. Comment? Dans toute la ville, vous ne trouverez pas une meilleure cachette que celle-ci. Qui voulez-vous qui vienne chercher votre fils? Un noble fils de famille dans cette misérable habitation de ces pauvres gens. Un autre avantage, vous évitez d'amener Nicolas dans la rue ou vous risquerez de se faire arrêter avant même d'avoir pu se cacher. Allons, nous perdons du temps, allons! Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Oh, oui, laissez-moi ici, ne m'emmenez pas, j'ai peur de sortir. Mais ne fais pas l'enfant, voyons, je ne veux pas que tu restes ici. Non, pardon, Raimundo, mais je pense que pour le moment, c'est ici qu'il est le mieux. Oui, mais c'est une sottise inouïe. Faites comme vous voudrez. Colonel, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, ce n'est pas moi. Ce sont ces pauvres gens qui vous rendent service. Naturellement, il conviendra de les récompenser généreusement, car ils le méritent. Ah bah, certainement. Soyez tranquille, je m'en occuperai moi. Cher ami, nous vous laissons, j'imagine que vous voulez rester seul avec Nicolette. Merci, ami. Merci, colonel, au revoir. Mais moi, à vrai dire, il faudrait que je reste. Ne vous dérangez pas, colonel, vous en avez déjà fait beaucoup trop. Nous ne vous retenons pas. Mais je dois fixer le dédommagement qu'il faut verser à ces pauvres gens. Si je m'en vais, comment feront-ils? Excusez-nous, colonel, mais ne voyez-vous pas que Nicolas est encore sous l'effet d'un choc nerveux? Mais je... Est-ce qu'il peut vous mettre les points sur l'i? Vous n'êtes pas chez vous ici. C'est-à-dire que... Monsieur Papagatto, voulez-vous prier le colonel de sortir de votre appartement? Oui. Bien, colonel, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, mais maintenant, on doit rester seul, hein, parce qu'il faut qu'on reste en famille. C'est bon! Je m'en vais.
Colonel. Ah, les pigeons. Ouais. Les boules de gomme. Ah, la jolie vie que l'on mène dans un régiment martois. On y voit, on y chante, on y baisse. Chez les marchands. Chez les marchands. Ah, les marchands. Les boules de gomme, c'est moi qui les mange. Les marchands. Les marchands. Voilà tout ce que j'ai comme vêtements. Allons, ne soyez pas comme ça, il faut réagir. C'est un malheur qui est arrivé. J'ai tué un homme. J'ai l'impression que je deviens fou. Vous ne devez plus y penser. C'est une fatalité, ce n'est pas votre faute. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à transporter mes affaires? Oh oui, excusez-moi, oui. Vous avez raison. Je regrette vraiment de vous déranger comme ça. Et surtout de vous voler votre petit coin. Il est tellement joli. Oh, c'est drôle que vous le trouviez joli. Pourquoi? Vous qui êtes habitué à vivre dans une maison qui est sûrement si belle que je ne peux même pas l'imaginer. Ne vous parlez pas de cette maison. Je ne suis qu'une idiote, pardonnez-moi. Pouvez-vous prendre cette boîte? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes postales? Ah, c'est mon travail, regardez. Ah, c'est vous qui les faites? Ah non, moi je mets seulement les couleurs. Rose et bleu ciel. Quand je donne des couleurs à toutes ces fleurs et à ces paysages, c'est comme si... J'enlevais un peu de gris à ma vie aussi. Vous me trouvez sotte? Allons, venez m'aider. Oui, oui, naturellement. Oh, mon Dieu! Qui est-ce? Qui est-ce? C'est la police! Oh non, je ne pense pas. Qui est-ce, maman? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Passez-vous là, monsieur Nicolas. Entrez. Hé, j'apporte des nouvelles. Mais qu'est-ce qui vous prend, Vittorio? On vous a pas demandé d'apporter les journaux du soir? J'ai dit les nouvelles, c'est pas les journaux. C'est une lettre pour mademoiselle Fiorella. Une lettre? Oui, une lettre de monsieur. Une lettre de monsieur Papagato pour sa fille. Et où est-ce qu'il est, Leonida? Il est dans le casque à journaux en bas, énervé comme jamais, hein. Bonsoir. Dernière nouvelle! Qu'est-ce qu'il dit? Communiqué urgent à toute la famille. De même que Napoléon à Waterloo n'avait pas prévu l'arrivée de Blücher, de même lorsque j'ai suivi moi l'inspiration de mon génie, je ne me suis pas douté que la présence du jeune Nicolas dans mes appartements m'empêcherait de rentrer tranquillement chez moi. Voici mes instructions. Premièrement, je signalerai mon arrivée en frappant à la porte par exactement 3 coups rapides. Deuxièmement, à ce signal, vous devrez enfermer le jeune Nicolas dans le débarras en lui faisant croire qu'il peut s'agir d'une présence policière. Troisièmement, que Antonio fasse un peu moins l'enfoiré et qu'il se dépêche de simuler un départ imprévu. Salutations distinguées, Leonida Papagato. C'était pas la peine de signer pour écrire ça, il y avait ton père. Mais maman, s'il arrive et qu'il le trouve ici, de quoi aurons-nous l'air? Il a 25 000 lire dans les poches, il peut bien aller dormir ailleurs. Revenez, monsieur Nicolas, ce n'était que le porteur de journaux. Mais vous tremblez? J'ai eu peur. J'ai les nerfs tellement à vous, je peux plus me dominer. Vous essayez de vous calmer, hein? Savez-vous ce qu'on va faire? On va faire votre lit, comme ça vous pouvez... Oh mon Dieu, encore! Mais qui est-ce? Mettez-vous là, c'est moins confortable, mais c'est plus sûr. Entrez, je vous en prie, madame. Il faut pas vous gêner, c'est ma fille, Fiorella, elle n'était pas là ce matin. Nicoletto, où est-il? Nous l'avons enfermé parce qu'on ne savait pas qui est-ce qui frappait. Je vais le chercher. Comment va-t-il, mon cousin? Il est très secoué, on dirait un panier à salade. Oh, comment sens-tu, mon trésor? Oh, c'est terrible, maman. Je ne fais qu'y penser. Oh, tranquillise-toi, mon chéri. Tu vas voir, tout va s'arranger. Raimundo fait tout ce qu'il peut pour qu'il ne t'arrive rien. Ma tante a raison, mon petit Nicoletto. Toi, tu dois seulement faire un gros effort pour échapper à ton obsession. Comment te sens-tu ici? Très bien, maman. Oui. Elles sont toutes tellement gentilles. Nous ne faisons que notre devoir, madame. On a encore frappé! Oh, non. Frappé? Vous croyez qu'on a frappé? Je n'ai rien entendu. Tu as entendu frapper, Fiorella? Non, maman. Tu vois, maman, je vis comme dans un cauchemar. Je te jure que j'ai entendu frapper. Et moi aussi, j'ai entendu. Je crois qu'on a frappé plusieurs coups. Ah! Des coups! Tac-tac! Ah! C'est le vieux. C'est le voisin d'à côté. Il tape sur la cloison pour la faire tomber. Enfin, pour faire tomber ses sangs, quoi. Enfin, pour vider sa pipe, quoi. Toc, toc. Il cogne sa pipe au
évacuer. C'est la police. Oh, mais non, n'ayez pas peur. Mademoiselle, cachez-le vite. Oh. Maintenant, pouvez-vous rire? Oh, ce ne doit pas être très important. C'est sûrement quelqu'un qui est déjà parti. Oui, oui, il est déjà parti. Je l'entends qui descend l'escalier. Entrez! Madame. Vous, colonel? Vous ici à cette heure-ci. Je viens de chez les Verdemann et nous avons fêté le chapeau de cardinal du grand-oncle. En revenant chez moi, je me suis dit, je vais aller rendre une petite visite à cette famille, la famille, comment donc? Papagato. C'est ça, la famille Papagato, pour prendre des nouvelles de votre jeune Nicolas. Excusez-moi, colonel, mais je voudrais vous demander de nous accorder une faveur. Accordez, cher monsieur, voilà. Surtout, ne le prenez pas en mauvaise part. Ce qu'il y a, c'est que nous aimerions que pendant quelques jours, vous ne veniez pas voir vos protégés. Cela pourrait attirer l'attention et ce serait dangereux pour Nicolette, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est trop juste. En réalité, je ne viens jamais ici. Je voulais avoir des nouvelles de notre cher Nicolas. Où est-il donc, sympathique garçon? Il est avec Fiorel. Ah, il a trouvé bonne compagnie. Et il se trouve bien dans son nouveau logement? Oui, il semble que oui. Et d'ailleurs, à ce propos, colonel, avez-vous fixé une somme pour récompenser l'hospitalité que ces braves gens veulent bien donner à mon fils? 10 000? Pardon? 15 000 par jour? 15 000? Vous trouvez que c'est un peu trop? Ah non, je pensais que ce serait beaucoup plus. Ah bon? Alors augmentons le chiffre. Non, non, non. Nous leur ferons un beau cadeau quand tout cela sera fini. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai déjà donné 20 000 livres. À qui les avez-vous donnés? À Marie. Vous avez très mal fait. C'est un ivrogne. Dès qu'il a de l'argent dans les mains, il s'empresse d'aller le boire. Croyez-moi, chère madame, ces 20 000 livres, nous ne les reverrons pas. Je ne pensais pas les revoir. Moi si. Pardon, colonel. Dans les mains de cette pauvre femme. C'est la famille qui doit profiter de nos bienfaits, pas cette affaire alcoolique. Allons donc voir ce que fait Nicole, là. Madame, votre mari est-il ici? Vous ne l'avez pas vu? Mais comment? Je vous ai dit, vous ne l'avez pas vu. C'était pour dire, vous avez besoin de le voir. Je voudrais lui parler. Tout de suite, comment peut-on faire? Il est dans sa chambre. Prétendez-vous qu'il faut solliciter une audience? Allons appeler-le, s'il vous plaît. Vous y tenez vraiment? C'est très urgent. Bon, ben... Léonida? Léonida? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, colonel, pourquoi? Pardon. J'avais cru entendre appeler colonel. Colonel. Non, c'est mon mari que j'appelais. Chéri, mon chéri. Il n'est pas parti, votre mari? Non, colonel, je suis là. De mieux en mieux. Carrément dans la chambre même de votre femme. Nous plongeons en pleine orgie. Excusez-moi, colonel, mais je ne comprends pas ce qui peut vous choquer. Hein? Quoi? Mais voyons, ce dégoûtant personnage se permet de vagabonder en manche de chemise dans la chambre conjugale. Mais justement, dans la chambre conjugale, il y a aussi le grand-père. C'est vous-même qui l'avez fait transporter là. Oh, il est là, le grand-père. Évidemment. Excusez-moi, colonel, ce n'est pas pour vous renvoyer, mais il y a des choses que nous n'avons pas eu le temps de mettre au point, ma tante et moi, avec ces braves gens, alors... Attendez, mon devoir avant tout. Je dois m'assurer qu'à tous égards, le vieillard est convenablement traité. Ils peuvent l'avoir collé derrière un paravent d'où il ne verrait rien. Alors, madame, ce que fait le grand-père? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est gâteux et paralytique. Le grand-père, oui. Mes petits-fils est jeune, il remue. Allez. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous parler. À vos ordres, monsieur. Il s'agit d'une chose très confidentielle qui doit absolument rester entre nous. Monsieur, je peux à volonté être muet, sourd et aveugle. Je me doutais bien que je pouvais avoir confiance en vous. Quant à vous, puisque moyennant une honnête rétribution, vous cachez mon cousin chez vous. Vous êtes pratiquement notre complice. Complice d'une bonne œuvre, bien entendu. Monsieur, s'il s'agit d'une bonne œuvre bien payée, il est question de quoi? Ça me sûr que personne ne nous écoute. Allez-y, allez-y. Il s'agit de cacher pour cette nuit seulement une personne dans votre appartement. Encore une? Oh! Et qui est cette personne? Alexis, le valet de chambre. C'est un cadavre. Oui, bien sûr. Donc il faudrait que je cache une personne, un cadavre? Mais dites, monsieur, ça... C'est grave, hein? Très grave, hein? Pour cette nuit seulement. Oui, mais monsieur, ici, chez moi, comment faire? Mais soyez tranquille, j'ai pris toutes mes dispositions. Mais monsieur, vous avez vraiment besoin de le faire disparaître, ce cher disparu? Mais c'est indispensable! Si nous déclarons le décès, il y aura une enquête, et les choses pourraient mal tourner pour Nicoletto. Oui, mais c'est un accident! Oui, mais ce n'est pas si facile à prouver. Alexis s'était disputé avec Nicoletto il y a quelques semaines. Et puis, Nicoletto, c'est un hypersensible.
Enfin, il est dans un tel état que nous en étions déjà préoccupés, ma tante et moi. Oui, mais monsieur, s'il y a quelqu'un qui se met à rechercher le défunt... Il n'y a aucun danger, personne ne le recherchera. Alexis est un apatride. Un quoi ? Apatride. Oh, le pauvre ! Oh ! Et il le savait ? Mais comment s'il le savait ? Apatride, cela veut dire sans patrie, sans nationalité, sans rien. Pas de famille, pas de parents, pas de consul, pas d'ambassadeur. Il nous suffira de raconter qu'il est parti et personne n'y fera attention. Bon, d'accord. Mais monsieur, il s'agit quand même d'un escamotage de cadavres. Non, monsieur, je suis désolé, mais... Monsieur Papagato. Oui ? Il y a 200 milliards pour vous. Alors, puisqu'il s'agit d'une bonne œuvre, dites, vous n'avez qu'un seul cadavre. Nicoletto paraît plus calme. Il ne faut pas trop s'y fier, ma tante. Le choc a été très violent. De toute façon, moi, je reste encore un peu ici. Je suis plus tranquille. À présent, le grand-père est très bien installé. Il a voulu le coucher dans le lit. Honore la vieillesse d'autrui et la tienne sera honorée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en sais ? Vous attendez quelqu'un ? Non ! Mon Dieu ! C'est Lénida ! Je ne connais rien ! C'est Vittorio, le porteur de journaux ! Qu'est-ce qui va se faire-ci ? Qu'est-ce que vous voulez, Vittorio ? Je vous amène Roberto ! Mais qui est ce Roberto ? C'est le fils ! Le fils de mon premier mari ! Oui, le premier mari ! Et qui est mort ? Il est mort ? Il était en train de faire un marathon de la danse. Voilà, 3 jours et 3 nuits qu'il danse sans arrêt. L'a-t-il gagné au moins ? Il a dansé 120 heures et il y a 9 coups qui continuent. Il n'a même pas remporté de prix ? Puisque je vous dis qu'il s'est arrêté. C'est lamentable. Moi à qui je le donne ? Ouais, passez-le moi, je m'en charge. Merci, Vittorio. Ouais. Je vous le recommande, hein ? Mon dit, faites-le promener. Faites-le promener ! Faites-le promener, oui. Dernière nouvelle ! Papa, tu me pardonnes, papa ? Mais à qui part-il ? Pas à toi, papa ! Madame, je crois que ce garçon ne fait pas seulement une crise de danse, mais aussi une méningite. Excusez-le, colonel, c'est la fatigue. Alors mettez-le au lit là-bas avec le grand-père, il sera très bien. Mais s'il perd tous ses réflexes, le malheureux... On lui donnera une bonne paire de claques, ça le fera réfléchir. Hmm? Bonne nuit, papa, bonne nuit. C'est une idée fixe. Il veut absolument que je sois son papa, ce garçon. Peut-être, colonel, ressemblez-vous à son défunt père. Peut-être. Ma chère tante, si tu veux aller te reposer, je crois que c'est le moment. Colonel, voudriez-vous avoir l'obligeance d'accompagner ma tante ? Moi, il faut que je reste encore un instant. Vous restez ? Encore un peu. Mais venez donc, cher ami. Nicolas est en bonne main. Et il faut que je parle à Nicolas. Bonsoir, colonel. Au plaisir de vous revoir. Bonsoir, tante. Et sois tranquille, je m'occupe de Nicolette. Alors, nous partons. Mais moi, à vrai dire, il faudrait que je reste. Allons-nous-en, cela vaut mieux, colonel. Car malgré ma douleur et les difficiles circonstances qui m'accablent, ne croyez pas que je n'ai pas compris. Compris quoi ? Tout ! Un motif que vous cachez vous pousse à vous introduire dans cette maison. Et ce n'est certainement pas la bienfaisance. Mais qu'est-ce que vous dites, madame ? Croyez-vous que je ne me sois pas aperçue de la façon particulière dont vous avez frappé à cette porte, comme s'il s'agissait d'un signal convenu à l'avance ? Et pourquoi êtes-vous entrée dans la chambre de madame Papagato, seule avec elle ? Mais pour m'occuper du grand-père. Oh, oh, pour vous occuper d'autre chose, colonel. Madame Papagato vous regarde beaucoup trop. Quant à vous, vous laissez bien trop voir votre grand désir d'éloigner le mari. Avouez-le, colonel. Vous voulez être l'amant de Madame Papagato. Je veux être l'amant de Madame Papagato. Elle est très bonne, chère madame. Je veux être la... Colonel, vous êtes un gentleman, vous ne m'avouerez jamais une chose pareille. Mais méfiez-vous, cela peut être dangereux. Dangereux. Dangereux que moi je... Oui, car ils sont tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Comment ? Très amoureux ? Valéria est... Mais ce n'est pas possible. Vous ne le croyez pas. Cet après-midi, on aurait dit... Deux pigeons, c'est mon amour tendre. Il joue la comédie, madame. C'est de la poudre aux yeux, de l'hypocrisie pure et simple. Enfin, je pense. Ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et c'est très beau. Nom de Dieu. Si jamais ça vise de... Mais chère madame, dans la chambre, il y a toujours eu le grand-père. Là, il y a Fiorella et Nicola. Et ici, il y a eu du monde toute la journée. Alors, où est-ce qu'ils sont allés ? Dans le débarras. Ne soyez pas vulgaire. Il suffit de voir comment ils se regardent pour comprendre leurs sentiments. Vous amèteriez votre mère au feu ? Mais enfin, qu'allez-vous trouver d'étrange à ce qu'une femme soit amoureuse de son mari ? Ah, chère madame, il y a mari. Celui-ci est un misérable, un vaurien. Mais c'est tout de même le mari.
Et moi, je ne vous lâcherai pas tant que vous ne m'aurez pas juré de ne plus mettre les pieds dans cette maison. Quoi ? Jurer, moi ? Mais pourquoi, madame ? Colonel, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Vous êtes insensuel. Moi ? Oui, vous venez ici uniquement dans l'espoir d'y goûter le péché original. Mais... Tout ce que vous guettez, c'est seulement de la viande à plaisir. De la viande ? Chère madame, de la viande, il y a beau temps qu'on n'en voit plus ici. Vous aurez même du mal à trouver un plat de lentilles. Vous avez trop d'esprit et de mauvais goût cette fois. Allons-nous-en, je vous en prie, colonel. Mais je... Allons-nous-en, cela vaudra mieux. Monsieur Papagato. Je suis à votre disposition, monsieur. Il faudrait aller chercher la malle qui contient la dépouille mortelle du pauvre Alexis et la porter ici. Demain matin, à la première heure, je viendrai la retirer. Et à part ça, vous donnez un petit acompte ? Naturellement. Voilà 100 000 lire, les autres 100 000 à la fin de l'opération. Valéria ! Valéria ! Je sors quelques instants avec monsieur. Où vas-tu ? Nous allons chercher une valise ou peut-être une petite malle avec du linge et des vêtements pour Nicolette. J'en ai pas pour longtemps. Allez tous vous coucher. Allez tous vous coucher, c'est facile à dire. Il y a plus de monde ici qu'au Grand Hôtel. Fiorella ? Oui, maman. Monsieur Nicolas va vouloir dormir, il est 11h30, il faut que tu lui fasses son lit. Je l'ai déjà fait, maman. Je dormirai avec vous. Alors, maman, j'appelle monsieur Nicolas. Il ne te déplaît pas, le réfugié clandestin ? Enfin, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Voilà, monsieur Nicolas, votre appartement est prêt. Oh, je regrette, monsieur Nicolas, que vous soyez si mal installé. Oh, mais non, je serai très bien, très bien. Sauf que j'aurais sûrement bien du mal à m'endormir. Je suis tellement... Oh, il faut faire un effort, hein. Vous avez besoin de repos et de ne plus penser à rien. Je sais, mais ce n'est pas possible. C'est la nuit que les heures sont les plus affreuses, j'ai l'impression que je deviens fou. Alors, couchez-vous et vous verrez que vous dormirez. Oh, maman, j'ai une idée. Je cours à la pharmacie et j'achète un somnifère. Attends. Regardons un peu ce qu'il y a dans le paquet du baron, au cas où il y aurait un assommoir quelconque pour ton Nicolas. Oh, oh, c'est gai. On dirait un colis pour les prisonniers. Pommade à la pénicilline, vitamine B, vitamine C, D. On devrait coller ça au grand-père, ça lui apprendrait l'alphabet. Ah, ça y est, maman, j'ai trouvé. Gardénal, calmant contre l'insomnie et les états émotifs. De 2 à 4 comprimés selon les prescriptions du médecin. Mmh. Il n'y a qu'à lui en donner 6, comme ça on sera tranquille. Hein. Tiens, apporte-lui ça. Enfin, maman, il est en train de se déshabiller. Oh, bon, j'y vais. Oh, quand j'avais 18 ans, si j'avais eu peur d'un homme en caleçon, je serais déjà morte à 15 ans. Vous permettez ? Merci, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bon, voilà une bonne chose de faite. Allons nous coucher, nous aussi. Bonne nuit, monsieur Nicolas. Bonne nuit, Fiorella. Merci. Encore bonne nuit. Bonne nuit. Où est-ce qu'on le met ? Dans le débarras. Oui. Allons-y doucement pour ne pas rêver, Nicolette. Alors, à 5h précises. Ne vous inquiétez pas, je serai debout. Je vous attendrai. Valéria ! Valéria ! Qu'est-ce que tu veux ? Fiorella dort ? Oui. Et ton mari ? Il est dehors, il n'avait pas de place, je lui ai dit de dormir à l'hôtel. Je laisse ma porte ouverte. Oh, qu'est-ce que tu as encore dans la tête ? Oh, tu ne penses qu'à ça ? Mais... Fiche-moi un peu la paix ! Mais si on ne peut pas en profiter maintenant qu'on est mariés tous les deux ! Oh ! Je t'attends. T'attends ! Thank you.
Ça sent. Ah, ça sent. Maudit. Regarde-moi. Je suis Alexis. Tu m'as tué. Mais mon fantôme te persécutera. Assassin! Assassin maudit! Regarde-moi, je suis Alexis. Tu m'as tué, mais mon fantôme te persécutera. Petit déjeuner, petit déjeuner. Assassin! Assassin! Maudit! Regarde-moi, je suis Alexis. Tu m'as tué, mais mon fantôme... Pensionnaire. Je lui ai donné un somnifère. À genoux. Tu es revenu spécialement pour me dire des conneries? Je suis revenu spécialement pour te faire une tête grosse comme ça. À qui? À toi. Mais moi, je vais te casser la tienne avec cette bouteille. Du calme. Alors. M'écoute. Alors. Certains regards mutuellement libidineux ont été remarqués. Ils ont été échangés ici même par deux personnes. Toi et ce pseudo-sensuel qui s'appelle Antonio. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte mon écœurement et ma mélancolie. Car une femme qui a eu la satisfaction spirituelle et physique d'appartenir à Leonida Papagatto... Plus spirituelle que physique. Cette femme, dis-je, me paraît difficilement capable d'accorder quelque attention à un sous-produit humain comme Antonio. Tu as fini? Oui, Antonio. Comment veux-tu que je sache s'il y a beau temps qu'il est parti? Je ne m'y fie pas, je dors ici et les yeux ouverts. Et où veux-tu dormir, les yeux ouverts, dans le débarras? Dans le débarras, oui. Qu'est-ce que c'est que cette malle? Cette malle? Ouais. C'est sans doute celle qu'a apportée M. Raimundo avec les affaires du jeune homme. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place ici, il faut que tu ailles dormir ailleurs. Ah, astuce féminine. Non, ma chère, je vais justement dormir ici. La malle, nous allons la mettre à côté du jeune homme. Va me chercher un oreiller. Oh! Nom de Dieu! C'est terrible! Avec quoi il s'habille ce jeune homme? Avec les armures de ses ancêtres? Bon, bravo! Tu as vite fait! Le grand-père, tu l'as réveillé? Comment veux-tu que je sache? Quand il est assis, on dirait qu'il est déjà mort. Alors tu te figures de quoi il a l'air quand il est allongé? L'observatoire est prêt. Halte la grivala! C'est moi, Antonio! Attention, si tu bouges, je tire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais je... Réponds ou je tire! Non, je venais, enfin, Monsieur Raimondo et moi, on a apporté la malle avec les vêtements de... Je sais tout, espèce de salaud! Mais qu'est-ce que vous savez, Monsieur Lida? Il n'y a rien à savoir! Tout! Je sais tout! La comtesse m'a tout dit. L'individu est déjà mort. Le mort est dans son cercueil. Le mort? Ah! Le mort! Dans son cercueil. Tu n'as pas peur? Non, ça devait être un secret. Personne ne devait le savoir. Alors c'est vrai, canaille. Et bien sûr que c'est vrai, mais chut, criez pas. J'ai toujours pensé partager avec vous moitié-moitié. Partager ma moitié? Non, vous la vôtre et moi la mienne. Et tu crois qu'on va s'arranger comme ça tous les deux en même temps dessus? Ah ouais, mais nous deux, mais pour sûr. Une fois l'affaire terminée, je vous donne 100 000 lire. Hein? Oui. 5000 lire? Oui. Toi? À moi? Oui. Dès qu'on l'aura embarqué. Ah! On l'embarque? Oui. Tu fais la traite des blanches? Mais quelle traite? Mais non! Une fois au large, plouf! Au fond de l'océan! Valéria? Elle est là? Qui? Bah, votre femme, vous l'appelez? Je l'appelle pas, je constate. Valéria, plouf! Me dites pas qu'elle prend un bain à cette heure-ci. Ah, toi, ne te fous pas de moi, je te casse la tête! Je me fous pas de vous, monsieur Leonida, je vous jure qu'il y a 5000 lire pour vous! Pour faire disparaître Valéria? Oh, mais non! Pour faire disparaître Alexis! Le cadavre de monsieur Nicolas! Et
où est-ce qu'il est ce cadavre? Sous vos fesses, dans la malle. Sous mes fesses, dans la malle. Dans la malle? Vous ne l'avez pas dit, la comtesse? Si, certainement, oui. Elle m'a dit tant de choses. Voilà, je confondais. Et que vient faire dans ma maison le cadavre du valet de chambre au fond d'une malle? Il est venu attendre. Attendre quoi? Le jugement dernier? Mais non, 5 heures du matin. Monsieur Raimondo viendra récupérer son mort et il donnera son millier au vivant. 50 pour vous et 50 pour moi. Un instant, bandit. Tu veux dire 80 pour moi et 20 pour toi? Le cadavre est à moi car il est chez moi. C'est moi qui l'ai apporté. Abusivement, profiteur, spéculateur. Tu as exploité ta fausse apparence de chef de famille pour fonder un commerce de cadavres. Va-t'en vautour, le cadavre est à moi. D'accord, le cadavre est à vous. Et puis, c'est vous qui serez là pour le livrer à M. Raimondo. Et puis, en même temps, colonel, vous lui expliquerez ce que vous faites dans l'appartement à 5h du matin, de la nuit. Reste ici, maître chanteur. Disons, 70 pour moi et 30 pour toi. Et tu te charges de la livraison. D'accord. Bonne nuit, camarade vautour. Mon Dieu, que cet individu me déplaît. Assassin, maudit, regarde-moi, je suis Alexis, tu m'as tué, mais mon fantôme te perd. Hein? Tu ne dors pas, Fiorella, c'est toi, Valéria? Je suis pas folle. J'ai entendu du bruit. La porte, c'est toi? Ah ben non, moi j'arrive à l'instant. Mais j'ai entendu un drôle de bruit par là. Ça, c'est un bruit de cardinal. Ça ne souffle pas assez fort pour bloquer la porte. Non, je te dis, j'ai entendu du bruit. Alors il y a quelqu'un? Non, j'ai regardé, il y a ce garçon qui dort là. Pourtant, quelqu'un m'a enfermé là-dedans. Ah, sainte vierge! Alors c'est comme dans Hamlet, au premier acte. Ah, fantôme, viens, fantôme! Ici, il y a un salopard. Ça n'a rien à voir avec Hamlet. Le drame ici, c'est moi qui vais le faire. L'ordure, il m'a séquestré. Moi, Leonida Papagato. La vache, le chameau, le cochon, la vipère, le requin, le chacal. Mais d'où je dis, c'est qui ce monstre? C'est un vautour qui s'appelle Antonio. C'est lui qui m'a enfermé. Attends, où est Valéria? Bah, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je sais, moi, ce qu'elle vient faire. Bizarre, très bizarre, elle dort. Dans ma chambre? Bah, ah oui, moi, alors je dors où? Dans le débarras? Non, le débarras, c'est moi. Ah bon, bah, moi, je dors pas, je passe la nuit ici, comme ça. Assieds-toi où tu veux, mais pas sur cette malle. Pourquoi? C'est fragile? Non, c'est la malle de Monsieur Nicole, là, avec son linge et ses vêtements. Bah, il aurait pu la mettre ailleurs, parce que ça encombre ici. Bon. N'y touche pas. Bah, c'est pas le Saint-Sacrement, quand même, hein. Eh ben, tu vois, je l'ai poussé. Tu l'as poussé encore? Bah dis donc, les affaires du petit Nicolas, elles sont légères, hein. Cette malle n'est pas lourde? Ah non, on croit qu'elle est vide. J'ai transpiré comme une éponge pour la sortir du débarras. Eh, bon, écoute, je vais regarder si elle est fermée. Hein? Sainte Marie, Mère de Dieu, Père de Dieu. Eh ben non, elle est vide. Nom de Dieu, il m'a fauché le cadavre. Un mort de 70 000 livres. Oh, Léonida, écoute. Va te coucher, l'endroit des filles, c'est là-bas.
Maintenant, on va rigoler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Leonida? Le mort est parti. Quoi? J'ai dit le mort est parti. Où as-tu mis le cadavre? Mais c'est pas moi, c'est monsieur Raimondo qui a mis le mort dans la malle. Dans la malle? Oui. Regarde un peu de la malle. Elle est fermée, la malle. Et maintenant, elle est ouverte, sans clé. Regarde. Ah, cette mère de Dieu! Le cadavre a disparu. Il s'agit donc de le faire reparaître. Ah bon, vous allez le faire reparaître? Voleur! Cambrioleur! Tu as pénétré chez moi par effraction. Tu m'as enfermé! Tu m'as dérobé le cadavre. Et tu l'as caché pour empocher les 100 000 livres à toi tout seul. Mais comment c'est vous qui me le faites, monsieur Leonida? Oui, vous les voulez pour vous, les 100 000 livres. Vous voulez même pas me donner ma petite part. Escroc! Menteur, où est le mort? Mais c'est bien ce que je vous demande, où est le mort? Ferme ta gueule, poubelle. Viens le chercher avec moi. Allez. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Maman, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à monsieur Nicolas? Oh, lui, il n'y a que lui qui s'en fait pas ici. Oh, il est là aussi, celui-là. Oh. Enfin, peut-on savoir ce que vous cherchez? Le mort. Quoi? Le mort. Vous n'auriez pas vu par hasard un cadavre dans les environs? Oh mon Dieu, ils sont devenus fous tous les deux. Enfin papa, qu'est-ce que tu dis? Il y avait un mort dans la malle, maintenant il n'y est plus. Et peut-on savoir qui c'était ce mort? Un mort de grande valeur. Alexis. Le valet de chambre. Le cadavre de monsieur Nicolas. Ah, c'est pour ça que dans la malle tout à l'heure, oui. Il y avait un dans la malle. Oui. Ah, écoute-moi bien, parasite. Dans cette prison, jamais rien n'a disparu. Tu m'entends dans le remords. Monsieur, votre soeur, elle va s'évanouir. Qu'est-ce qui te prend? Mais, qu'est-ce qu'il y a? La malle? La malle? Qui l'a suivi? Vittorio, nous en semblant de livrer ses journaux. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est? Entrez. Un bouquet de fleurs pour mademoiselle Fiorella Papagatto. Merci. Fiorella. Fiorella. Il y a des fleurs pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi? Ah, c'est moi. Eh bien, hier soir, j'avais demandé à maman de les faire envoyer et je pensais que je serais partie quand elles arriveraient. Parce qu'elles sont jolies. Vous m'a gâté, monsieur Nicolas. Oh. Oh, merci, monsieur Nicolas. C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. Bon, j'y vais. J'ai une réunion du conseil d'administration de l'association des propriétaires d'immeubles. Je vous en prie, colonel. Hein. Et je vous remercie encore de tout ce que vous avez fait pour moi. Ne parlons pas de ça, jeune homme. L'autre, là-bas, il fait la grève de la faim. Qui? L'espèce d'andouille que tu as traité comme un saucisson. Il ne veut rien manger. Eh bien, qu'il se divorce lui-même. En attendant, nous faisons des économies. Au revoir, colonel. Le colonel est vraiment très chic, je trouve. Hein. Oh. Il a quelque chose de romantique. Oh oui, cette nuit, on aurait dit Werther au clair de lune. Comment? Moi aussi, vous savez, monsieur Nicolas, je suis une romantique. Mon papa, les crinolines. Verdi Garibaldi. Oh. Tiens, voilà les pâtes. Essaie de le faire manger un peu. Monsieur, est-ce que vous ne m'aviez pas demandé cette danse? Oh.
Chérie. Ah, Nicolas, fais attention, on pourrait nous voir. Écoute, Nicolas, il faut que je te dise quelque chose. Mon Dieu, quel air sérieux. Eh bien, voilà, celui que tu prends pour mon père n'est pas mon père. Comment? Ton père n'est pas Monsieur Léonida? Si, mais Monsieur Léonida n'est pas celui que tu crois. Et qui est Monsieur Léonida? Le colonel, tu comprends? Ah bah non, non, pas du tout, non. Eh bien voilà, la profession de mon père... Il est colonel? Non, il est invité. Comment? Chut, attention. Ah, oh, quel goujat celui-là, alors, de si bonnes pattes. Oh, c'est vrai que c'est une andouille, hein. Léonida a raison. Moi, c'est drôle, il me fait quand même pitié. Mais c'est vrai que je suis une romantique, hein. La lune, les étoiles, Tu n'es pas fâchée? Mais non, non, bien au contraire, non. Le colonel, enfin pardon, ton père, mais de plus en plus sympathique. Ah, c'est vraiment un grand acteur. Oh, mais non, c'est tout simplement un homme intelligent et surtout très bon qui organise honnêtement de petits abus de confiance pour subvenir à nos besoins. Je l'adore. Moi aussi. Bonjour, monsieur Raimondo. Fiorella t'a dit bonjour. Bonjour. Tu sais que je dois t'emmener aujourd'hui à la campagne. Non, non, je veux rester ici. Je ne veux pas que tu restes ici, c'est de plus en plus dangereux. Je me demande, cet idiot de colonel n'a pas fini par attirer l'attention sur cette maison. Il faut que tu viennes avec moi. Je serai tranquille seulement quand tu seras en sécurité dans la cachette que je t'ai trouvée. Oh, monsieur Nicolas ne bougera pas d'ici. Mais madame, je n'ai pas sollicité votre avis. Eh ben moi je vous le donne. Je suis ton tuteur et tu dois m'obéir, tu viens de tuer un homme. Par accident. Mais oui, par accident, même si on le découvre, ils n'auront pas le courage de le condamner. Mais enfin, est-ce que vous allez cesser de piailler comme des oies, nom de Dieu? Vous n'avez pas le droit d'insulter une jeune fille. Vous n'avez pas le droit de nous insulter. Mon petit Nicolas, tu ne vois pas clair dans leur jeu. Ces gens-là ne pensent qu'à une chose, te garder le plus longtemps possible pour nous soutirer le plus d'argent possible. Ce sont des vautours. Autour vous-même, chacal. Quoi? Oh, taisez-vous, Caligula. Un peu de calme, s'il vous plaît. Comment vaut ce désordre? Encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Il y a d'abord ce que je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ces cris hystériques qui offensent les bonnes mœurs et mes trompes de stache. En outre, je voudrais savoir comment il se fait que cette vilaine corneille déplumée... Corneille, papa. Pardon. Comment il se fait que cette vilaine corneille déplumée oublie à ce point la différence de classe et puisse employer à l'égard d'un homme du monde... De chacun. Pardon. Puisse employer à l'égard d'un homme du monde un langage aussi peu courtois. Silence. Anarchiste. Colonel, je vous remercie de votre intervention. C'est honteux. Ces gens-là cherchent à se venger du bien que nous leur avons fait. Se venger? Il a raison. Cher ami, vous avez jeté des perles à des pourceaux. Des pourceaux? Pardon? Rien. Et naturellement, ils se sont empressés de les piétiner. Prolétaires! Je tentais de leur expliquer le grave danger auquel s'expose Nicolas en restant dans cette maison. Juste. Je suis son tuteur, j'ai la charge de ses intérêts. Ouais. Très juste. Or, je lui ai préparé un abri sûr dans un endroit solitaire. De plus en plus juste. Tu vois, mon petit Nicolas, le colonel est de mon avis. Il faut que tu quittes immédiatement cette maison, n'est-ce pas, colonel? Non. Comment? Non. Vous fichez de moi? Oui. Ah, j'en ai assez de vos comédies, colonel. Jeune fille, faites évacuer la salle. Je dois parler avec monsieur. Mais moi, je ne veux pas parler avec vous. Oh. Nicolas, reste ici, tu m'entends? Reste ici. Bon, maintenant, vous voulez qu'il reste ici? Je suis heureux que vous ayez changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Allez-vous-en. Où est monsieur Papagato? Je pense qu'il n'est pas loin. Je l'attends. Parfait, en attendant, vous pouvez m'écouter. Certainement pas. Je comprends votre agacement, monsieur Raimondo. Il est certain que la réputation de votre famille est en jeu. Quand je pense que vous êtes venu à 5h du matin qu'on ne vous a pas ouvert, vous venez chercher une malle? Qu'est-ce que vous racontez? Une histoire de valet de chambre? Mais enfin, colonel, quel jeu jouez-vous? C'est précisément ce que je voulais vous expliquer. Vous voulez bien m'écouter maintenant? Je... Colonel, ma famille est puissante. Si vous avez besoin d'un appui pour quoi que ce soit, pour retrouver une malle, par exemple, vous êtes trop aimable. Entrez! Déposez le bagage de monsieur ici. Merci. N'ayez pas peur, elle n'est pas chargée. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie à la fin? Où voulez-vous en venir? Un peu de patience, cher ami, et commençons par le commencement. Dans une noble famille, il existe un monsieur d'environ 35 ans comme vous, d'aspect sympathique comme vous. Ce monsieur, un jour, achète un revolver. Comme ce revolver! N'ayez pas peur, il n'est pas chargé. Du moins, je ne crois pas. Il faut dire que
Celui-ci n'a pas servi à moi-même dans mon histoire. Celui-ci est un symbole, une image. J'ajoute que ce monsieur habite la maison familiale avec sa tante et son jeune cousin, dont il est d'ailleurs le tuteur. Le jeune cousin est un garçon hypersensible. Monsieur, voulez-vous jouer le rôle du jeune cousin hypersensible? Certainement, colonel. Alors, mettez-vous là et chantonnez gaiement. Mamma mia. Ce jour-là, la tante est sortie. Quant au tuteur, si vous le permettez, c'est moi qui vais tenir le rôle. Voici la scène. Jean! Bonjour, cher cousin. Comment vas-tu, cher cousin? Je vais bien, cher cousin. Regarde, cher cousin, le beau revolver que j'ai acheté. Oh, il est magnifique, cher cousin. C'est un vrai bijou. Veux-tu l'essayer, cher cousin? Oh, tu sais, moi, les armes à feu m'impressionnent toujours un peu, cher cousin. Voyons, cher cousin, tu es un homme maintenant. Il faut savoir te dominer. Oh. Hein? Regarde ce calendrier. Ça, ça, dans le mine. À toi, cher cousin. Êtes-vous sûr, cher cousin? Mais oui, cher cousin, essaye. C'est une famille! C'est quoi ce coup de feu? Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est terrible! Je savais pas qu'il était chargé, j'ai tué un homme! Oh. Alexis! Alexis! Vous n'avez pas honte de nous faire revivre une scène aussi pénible? Je reste pas ici une minute de plus! Relève-toi avec nous, Tom. Ton rôle de cadavre est terminé. Vous vous trompez, Nicole, là. Ce n'est pas Alexis. C'est mon ami Vélo Tocuir qui vient de faire semblant de mourir en imitant très exactement le procédé d'Alexis, car votre revolver aussi était chargé à blanc. À blanc? Alors Alexis n'est pas mort? Alexis, plus vif qu'une anguille. Nous l'avons trouvé cette nuit dans la malle que voici, sous la forme, il est vrai, d'un cadavre, mais d'un cadavre vivant. Ah, ça me rappelle une pièce de théâtre. C'est d'un russe, je crois. Oh, mais c'était très beau. Hein. Dans cette malle? Mais comment? Veluto, toi qui t'y connais, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette malle? Cette malle est percée de 27 petits trous qui permettent de respirer si l'on s'enferme à l'intérieur. Et de plus, la serrure a été modifiée pour pouvoir s'ouvrir et se fermer depuis dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Raimondo? C'est absurde, vous êtes un fou criminel! Laissez-moi sortir! Cette horrible tache de sang sur le gilet d'Alexis! Qu'est-ce que c'est que cette tache de sang, monsieur Raimondo? C'est le sang d'Alexis! Alors, Nicole, là, vous avez tué un petit veau. Car l'analyse de cette tache de sang a révélé qu'il s'agissait du sang d'un petit veau. Donc, ou bien ce n'est pas le sang d'Alexis, ou bien Alexis est le fils d'une vache. Mais Raimondo, qu'est-ce que ça veut dire? N'écoute pas ces gens, mon petit Nicolas. Ils veulent nous exploiter. Allons-nous-en! Mais, colonel, pourquoi Alexis a-t-il joué cette comédie? Pour 1 million, dont il a déjà touché la moitié. Et qui a pu lui offrir une pareille somme pour une plaisanterie aussi stupide? Vous. Nicolas! Cette nuit, le faux cadavre est sorti de sa malle pour jouer au fantôme. Ces évolutions spectrales ont d'ailleurs dérangé toute la maison, à part vous. Grâce au cardinal. Or, c'est à vous seul, précisément, qu'Alexis devait se montrer. C'est amusant. Et monsieur Nicolas l'aurait payé pour ça? Rassurez-vous, jeune fille. Nicolas a payé sans le savoir. Vous êtes, paraît-il, un hypersensible, mon cher Nicolas. L'apparition extravagante de votre prétendue victime vous aurait fait subir un choc émotif suffisant pour qu'on vous interdise civilement. C'était ce que désirait votre cousin et tuteur, car vous serez majeur dans un mois. À ce moment-là, il faudra présenter les comptes de tutelle, ce qui représentera une pénible épreuve pour M. Raymond, car il est joueur et il a dilapidé la plupart des fonds qui vous appartenaient. C'est pourquoi il a monté toute cette entreprise qui devait vous mener à l'asile. Jeune homme, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui, sans le savoir, avez payé le fantôme. Celui-ci, cependant, s'est fort mal acquitté de sa tâche, puisqu'à un moment crucial, il a oublié de fermer la serrure de l'intérieur, ce qui nous a permis d'ouvrir la malle et de le découvrir. C'est impossible. Toi, Raimondo, tu ne peux pas avoir fait ça. Je te jure, mon petit Nicolas, que ce sont d'horribles mensonges de cet ignoble individu. Vous, vous avez de l'imagination, mais vous n'avez pas de preuves. J'ai des pièces à conviction. 27 trous... Une serrure. Et si vraiment il est quelqu'un dans cette malle, qui peut nous assurer que c'était Alexis? D'ailleurs, où est-il, Alexis? Excellente histoire, colonel, mais il vous manque le personnage principal. Son JD ne vous suffit pas. Ah, ce n'est pas le moment de plaisanter. Très juste. Aussi vais-je vous montrer ma dernière pièce à conviction. Amenez l'andouille. Monsieur Papagato, défaites le paquet. Monsieur Papagato, comment vous laissez-vous traiter ainsi? Sachez que cet homme est l'amant de votre femme. C'est-à-dire que je ne suis pas Monsieur Papagato. Monsieur Papagato, c'est lui. Lui?
Le colonel, mais alors, qu'est-ce que c'est que tous ces mensonges à la fin? Et vous, vous aussi contre moi quand je vous ai donné 200 000 lire? Combien? 200 000? Tu m'avais dit 5 000, crapule! T'as voulu me voler, diable parasite! Je t'en prie, calme-toi. Nous en reparlerons. Monsieur Raimondo, ce dernier accessoire viendra témoigner lui-même qu'il est une andouille, car il a laissé Alex s'échapper. Mais je pense que les témoignages concordants du gilet de la malle et de l'andouille suffiront à vous accabler. Vous ne dites plus rien. Alors c'est vrai? Assassin! Maintenant! Non, Nicolas, arrête! Bien, va-t'en. Je ne te dénoncerai pas, par respect pour la famille, mais que je ne te revoie jamais ici, sinon, quand tu voudras. Dans l'appartement de Léonide à Papagato, les criminels ne sont jamais invités. Monsieur, vous pouvez disposer? Un instant. Nous avons fichu le fumier dehors, mais la puanteur est restée. 200 000, canaille. C'est-à-dire que... Voleur, parasite. Monsieur. Et pour couronner le tout, cette ordure se traite qui laisse Alexis s'échapper. C'est pas vrai? Pourquoi vous dites ça? Tais-toi, résidu du boudin. Maintenant, change-toi en fumée que je te revois plus dans cette maison. Vittorio, vous allez me jeter ça dans l'escalier. Et ensuite, vous flanquerez tous ces meubles par la fenêtre. Ah non, pas des meubles, pas des meubles. Non, c'est un infirmière du troisième. Elle va les ramasser dans la rue. Matron! Oh, papa, tu as été formidable. Tu vois, Nicoletto, ce que papa est intelligent, je te l'avais dit. Un instant, qu'est-ce que ça signifie? Mais oui, papa, je lui avais dit. Qu'est-ce que ça signifie, cette façon de tutoyer monsieur Nicolas? Colonel, pardon, monsieur Papagatto. C'est-à-dire que, voyez-vous... Nous nous aimons, et alors... Vous n'avez pas perdu de temps. Ah non, mais c'est très sérieux, et d'ailleurs je dirai à ma mère de venir vous voir dès demain, parce que... Parce que voilà. Je veux épouser Fiorella. Ah, ça te vient, Fiorella, tu as entendu, il veut t'épouser. C'est toujours comme ça au dernier acte, il sait. Du calme. Monsieur Nicole, je suis très ému et très flatté, vraiment. De l'honneur que vous me faites ainsi qu'à toute ma famille. Alors vous nous donnez votre consentement? Non. Papa, Léonida. Non. Vous êtes trouvé dans une situation très particulière avec Fiorella. Retournez chez vous, dans quelques temps vous y verrez plus rien. Dans quelques temps, je reviendrai tout simplement vous demander sa main. Hein. Il faut rentrer chez vous. Bon, d'accord, très bien. Mais ne soyez pas surpris si je reviens demain. Et tous les jours, pour vous demander la même chose. Mon Nicoletto. Et félicitations, monsieur Léda. Vous voilà bientôt de la noblesse. Ne disons pas des conneries. Ah bah c'est vrai. Si tu disais oui, moi aussi, je rentrerai dans la noblesse. Oui, mais toi, tu as déjà le blason. Ah. En deux parties, avec deux devises. D'un côté, messieurs et de l'autre, dames. Oh. Veloute, le grand-père t'attend. Il n'est pas mort. Non, il est toujours vivant. Ah, mais je n'ai pas entendu chanter. Le poumon de l'ombrelle de Mathilde faisait le même effet que les boules de gomme. C'est moins sucré, mais ça dure plus longtemps. Attends, je vais te payer les 1000 lire pour la location. Ah, ben c'est-à-dire que 1000 lire, c'est pour 4 heures. Vous l'avez gardé une journée entière. Bon, alors, combien? Faut que j'aille demander. Bah, va demander, je paierai. Non, monsieur fait déjà son grand seigneur, tout simplement parce qu'il a refusé la main de sa fille, un jeune homme du bonhomme. Grand-père, t'attends, Veloute. Je fais qu'aller venir. Mathilde, tu serais gentille d'aller me chercher mon habit, s'il te plaît? Ah bon? Ouais. Tu t'en vas? Oui. Je vais à la cérémonie de clôture du concours vinicole international. Tu ne veux pas que nous parlions un peu de Fiorella? Tiens. Voilà sa dot. Tu lui donneras ça le jour de l'annonce. Mais qu'est-ce que c'est que tout cet argent? Pour une fois, ton espèce de saloperie d'Antonio m'a dit la vérité. Ce n'est pas lui qui a laissé Alexis s'échapper, c'est moi. Et pour acquitter le prix de sa liberté, l'honnête valet de chambre m'a versé 500 000 livres. Oh, mais alors c'est ce que lui avait donné cette crapule de Raimundo pour ses manigances? Sans aucun doute. Bah, c'est de l'argent à monsieur Nicolas. C'est de l'argent qui fut à monsieur Nicolas. Par un caprice du destin, il le retrouvera dans la corbeille de mariage de Fiorella. Parce que monsieur Nicolas va épouser Fiorella? Naturellement, puisqu'il m'a demandé sa mère. Alors pourquoi lui as-tu dit non? Parce que moi j'ai de la dignité et ça n'engage rien. Tiens, Léonida, voilà ton habit. Mais pas trop plus de pêche au sirop, hein, parce que moi j'ai beau brosser, ça à l'état, je reviens tout le temps. Et dis donc, qu'est-ce que tu nous rapportes de beau ce soir? Je ne sais pas encore. Eh ben, si tu vois une bonne bouteille, n'oublie pas que je boirais bien un petit coup après toutes ces émotions. Vous en faites une tête tous les deux. Oh, mais tu veux pas un enterrement quand même? Oui. Ah, eh ben me rapporte pas le corps, hein, parce que les cadavres, moi, j'en ai jusque là. Alors,
Tu n'es à Palerme, n'est-ce pas? Il te faudra écrire à la mairie de là-bas pour demander ton acte de naissance. Pourquoi? Pour faire les publications. Tu veux m'épouser? Oui. Oh. Je veux t'épouser. Pour que Fiorella ait ses papiers en règle. Oh, alors ce soir, tu ne peux pas me dire à quelle heure tu reviens? Oh là, c'est encore plus beau qu'au théâtre. Oh, je t'attendrai, Léonida, même si tu dois revenir très tard. Pas très tard. Écoute, Valéria, en ce qui concerne ton mariage, n'en parle pas dans le quartier, veux-tu? Et toi non plus, Mathilde, n'est-ce pas? La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité. Au mariage de Léonida Papagatto, je ne veux pas risquer qu'il se trouve par hasard un invité. Sur Billet Réduc, mettre des magnifiques petites critiques comme vous savez le faire, avec vos petits doigts agiles. Une fois qu'on aura fini, il faudra évacuer l'appareil assez rapidement. Il y a une pièce après nous. On est encore là demain soir. Il reste des places, donc on parle bouche à bouche, bouche à oreille. Bouche à bouche. Oui. Bouche à bouche, bon, bouche à oreille. En bouche que veux-tu, en bouche que voilà. Et depuis hier, on a monté une petite chorale ici. Tu veux nous mettre la lumière, Christian? Moi, je ne sais pas où on va. On va au Bariolé, non? Ah, au Bariolé, si tu veux. Oui. Bon, on va au Bariolé après, s'il y en a pour les alcooliques. Pour les, pardon, les. Ceux qui la soifée. Donc, Tiamo, ça vous parle? Le refrain. Alors, est-ce que je pourrais éviter de lancer le feuilleur? C'était horrible. Allez-y! Tiamo, ti. Amo. Tiamo, ti. Amo, ti 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 amo. Jamais de comédie musicale. Bonne soirée, à très bientôt.